That's Life, le spectacle exceptionnel. Et ce qui est grand, c'est que vous jouez ces personnages et on s'est dit ce serait quand même le moment de lancer l'acteur roulette avec notre ami Arnaud. Alors, l'acteur roulette, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pas compliqué. Il y a des écrans derrière moi et avec une roulette, comme un bandit manchot. D'accord. Vous avez compris le nom de l'émission, hein ? Il aura fallu plusieurs émissions. Bon dimanche chaud, voilà. Ben oui, mais parce que ça fait 6 émissions qu'on essaye de la sortir, cette rubrique. Eh bien, nous allons faire tourner la roulette et vous allez voir. Alors, il y a une liste de personnages. Ça peut être le tonton bourré, ça peut être votre maman, ça peut être un sculpteur brésilien, ça peut être une personne âgée, ça peut être Xavier Dupont-Ligonnès ou un prof de sport. Ce sont des personnages que l'on retrouve dans votre spectacle et ils vont devoir interpréter des textes que moi j'ai choisis. Ça peut être la recette du bœuf bourguignon, Cyrano de Bergerac, une chanson de Weshden, une notice de four micro-ondes, la page 87 du dictionnaire ou l'annuaire. Ok, on fait tourner ? Vas-y, ouais. C'est parti. Alors, on a Gérard, les yeux, c'est tonton Gérard. Ah, okay, voilà. D'accord. Tonton Gérard, ça donnerait quoi s'il devait faire la tirade du nez, du monologue du nez de Cyrano de Bergerac? Oh, c'est tout ça? Ouais. Non, on ah, fait non. Une petite partie, vous n'avez pas tout faire. Mais le tonton bourré qui fait la tirade du nez d'Edmond Rostand, ce serait quoi? Wow. Hé, hey, ta gueule. J'ai un peu court, je... Hein, on pouvait dire... Attends. J'entends, mais ça. Oh Dieu! Bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Pardon. Alors, agressif. Oh, moi, monsieur, si j'avais un tel pif, faudrait sur le champ que je l'amputasse. Tu peux le dire en amical aussi. Ouais, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc! C'est un puc! C'est un cap! Que dis-je? C'est un cap d'aigle! C'est une péninsule. T'es sûr qu'il est Gérard, c'est pas lire. C'est une péninsule. C'est bien. C'est Gérard. On l'applaudit. Voilà. Moi, j'ai dit mon nom prenez parce que c'est le prénom de mon oncle. J'ai fait un transfert. Je l'ai reconnu. On refait tourner l'acteur roulette. Attention. Ah, on a la recette de cuisine et avec un des personnages qui passe dans votre spectacle, c'est le sculpteur brésilien. Ça donnerait quoi s'il devait nous faire la recette du bœuf bourguignon? Ah, je fais une recette de bœuf bourguignon. Tout le monde m'entend? Ok. Alors, taillez le bœuf en cubes de 3-4 cm carrés. Pouillez les oignons sans les écorcher. Pouillez et coupez les carottes en rondelles, pas très fermes. Du minimum. Attends, il y a un personnage qui font le dessus. Tu pelles les couilles. Enlever le germe. Dans une grande cacao. Faire fondre du beurre. Ajouter les oignons. On tient les lardons. Il est bien. Fier, j'ai pas terminé. Ferme ta gueule. Je suis honoré d'être avec Bruno Gaillard. Je suis fier de vous avoir également. Le sculpteur est dans le spectacle, il est exceptionnel. Il fabrique une sculpture, mais pour en savoir un peu plus, il faut aller voir le spectacle. Allez, on fait tourner une dernière fois l'acteur roulette. Ah, très bien. Alors, on a le vieux. Le vieux monsieur, et le vieux monsieur va devoir lire du Weshden. Alors comme ça tu m'as trompé. T'as cru que j'allais pas capter, salope. Et t'as changé de parfum, de numéro, comme si par les keufs t'étais recherché. Enfin. Parce qu'ils s'endort des fois. Bien sûr. Ah, Daniel, apparemment tu ne m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu pars avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden, vieille connasse. Tu prends tes caleçons sales, tu pues la mer, fous-moi le camp, et tu es hors de ma vue. Tu n'as pas de principe, moi, pendant la guerre, les cheveux, j'étais à genoux pour me les... C'est grâce à moi, si tu manges, puis je pue. Applaudissements pour tu crées, c'est ton époux. Il est un peu vulgaire, mon mais j'adore les vieux vulgaires, j'ai toujours adoré ça. RTL, le bon dimanche chaud.